Coucou mes divas, coucou mes amours, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Diva Rosie comme toujours. Chose promise, chose due. Je vous ai promis comment vous montrer comment faire un lait de coco blanchissant à la maison. Et à chaque fois, j'ai toujours les mêmes messages. Rosie, quand est-ce que tu vas nous montrer comment faire notre propre mélange, comment faire notre propre préparation? Donc aujourd'hui, je vous ai fait une belle sélection. Je vais vous montrer comment faire votre lait de coco blanchissant à la maison. Ce lait que je vais faire, ce sera un lait à base de collagène, de glutathione et d'acide kojic. Un lait blanchissant à base de collagène. Donc pour cela, j'ai choisi un lait à base de collagène comme une base. Donc j'ai pris le lait Vite Gold, mais vous pouvez faire avec n'importe quel lait. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même lait pour faire. Donc vous pouvez prendre n'importe quel lait. Le deuxième élément, la poudre de kojic. J'ai pris la poudre de kojic. Bon, c'est une poudre que moi je vends à la boutique, donc c'est ça que j'ai pris. Un diamant, le glutathione injection et puis le piment d'eau comme concentré. Ce sont des concentrés que j'ai déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes, donc je ne vais plus m'attarder là-dessus. J'ai mis deux blanchisseurs. Vu que c'est un lait blanchissant, donc il faut deux blanchisseurs. Et j'ai pris les blanchisseurs glutathione bleu. Pour agrémenter le tout, pour essayer un peu doser, j'ai pris la crème glutathione royale. Cette crème-là, j'avais fait une vidéo sur la gamme glutathione bleue et j'ai dit que la gamme glutathione bleue existait en trois gammes. Il y avait la glutathione carotte et la glutathione royale. Et là, j'ai pris la crème de la glutathione royale. Donc, et là, j'ai pris la crème de la glutathione bleue. Donc, pour ajouter, pour essayer de pimenter un peu plus ça. C'est une crème qui ne contient ni de l'hydroquinone ni des corticoïdes, donc pas dangereux pour la peau. Mais mettez de toute façon à quantité modérée en fait. Sans plus tarder, nous allons passer au mélange des produits là. Ok, donc voici en fait les produits avec lesquels je vais travailler. En fait, j'ai pris deux bols parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais choisir, mais finalement je pense que je vais prendre le bol jaune parce que c'est l'une de mes couleurs préférées. Donc pour cela, il vous faut soit une spatule en bois, soit en caoutchouc. Dans tous les deux cas, il vous faut quelque chose, un caoutchouc en bois, mais pas du fer. Évitez tout matériau en fait pour faire la préparation. Et dans toutes les vidéos, je fais en fait, je n'oublie jamais de dire ça. Même dans la vidéo des savons, j'ai eu à dire, je préfère toujours les bols, soit en caoutchouc, soit en bois, mais pas en fer, évitez le fer. Sans plus tarder, je vais renverser mon lait dans un bol en caoutchouc. Un lait de 400 ml hein, pour celles qui n'ont pas vu, c'est un lait de 400 ml. Je renverse tout le lait parce que là j'ai assez de concentré, donc je sais que le lait sera dosé, donc je vide complètement mon bol. Je finis de vider mon bol, je mélange un peu. Maintenant, je vais passer aux crèmes. Je vais presser mes deux crèmes. On met toujours les crèmes avant les concentrés, mes divas. C'est ce que vous devez savoir. On met toujours les crèmes avant, avant les concentrés. Le bouchon de la crème, en général, sert à ouvrir la crème. Donc, je vide ma première crème qu'elle a eue. La crème glutathione royale. Je prends la deuxième crème, je la vide. La deuxième crème, c'est une crème à base de glutathione bleue. Maintenant, j'ai fini de presser mes deux crèmes. Je vais mélanger. Je mélange bien. On ne met jamais en fait les concentrés avant les crèmes. Retenez ceci, on ne met jamais les concentrés avant les crèmes. Maintenant, après avoir mis les deux, je vais ajouter mes deux blanchisseurs. Les concentrés viennent en dernière position. Pourquoi? Parce qu'ils sont en général liquides. Donc quand on les met avant quand on les met avant
les produits qui sont un peu lourds et tout, lors du mélange, souvent ça fait créer des boules. Vous allez voir que la pâte ne sera pas complètement homogène. Donc c'est préférable. Je mets en fait les avant tout ce qui a du fin et du sort dans le bol. Maintenant, je vais mettre piment de l'eau que le collagène de l'étain. Je veux juste avoir une pâte que je vais sous-inclure. Ingrédients en bien mélangé. C'est une belle crème comme couleur donat. Mon lit en glace et le maintenant une fois fini, mettre dernier secouer. Vous mettez le monde où j'ai couru, ça peut pas. Vous voyez, j'ai trouvé de l'huile, je l'ai pas à moitié. Ça c'est plus un peu petit. Je le décale plutôt l'injection. Encore une partie applique bien pour ça. Fait que de mettre que j'ai plus que j'aime bien. Je vais le maintenant jusqu'à un coup. Là, ça vient de ces bougies. Je sens et mon ancien passe les 100 mg. Mais pensant jamais de tout parce que les femmes ont un sens pratiquement déjà. Le lien que vous avez servi dans le côté à la danse que j'ai fait, c'est pour que les corps les appuient. Et vous, je sais que quand vous faites pas bien, vert et tout, mais que ça met donc ça te suffit. Et puis jusqu'à ce que vous gardez un de frère dans le train. Donc, si vous dites que vous êtes la prochaine.